Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un autre décor. Attention, il y a une espionne qui arrive. Elle va faire tomber le téléphone. Bon, on va attendre. Hein. Tu viens là? Et non, là, on ne voit plus. Voilà. Désolée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes dans mon séjour, voilà, ma cuisine, salle de bain. Je fais le tour du propriétaire et Fifi. Alors aujourd'hui unboxing. Alors c'est un unboxing de la boutique Big Craft. Je sais pas si je prononce bien, mais je vous remarque en dessous, c'est plus simple. J'avais fait le choix de mes articles le 8 octobre. Ça a été envoyé le 17 octobre. Et j'ai reçu le 5 novembre. Voilà. Donc, ça a mis une quinzaine de jours à partir du moment de l'envoi. Tu es d'accord avec moi? Oui. Elle est d'accord. Alors... Bigestraf, oh, j'arrive pas à le prononcer. C'est une boutique où il n'y a que de, où on fait du point de croix. Il n'y a pas de DP. Il y a des accessoires, il y a des points de croix estampés, des points comptés, du 14CT, du 11CT, voilà. Avec de jolis articles. Et donc moi j'en ai choisi 3, voilà, pour le budget qu'on m'avait alloué. Et donc j'ai pris 2 broderies et un accessoire. Voilà. Alors je vous montre d'abord, ça c'est une broderie, on verra après, l'accessoire. Non, c'est pas un DP. Alors je ne l'ai pas encore ouvert. Tu vas bouger ma fifi? Allez, attends, excusez-moi, je vais la descendre. Hop. Voilà. Alors, voilà, il y a déjà des petits trucs comme ça. Ça va peut-être déjà vous donner une idée. C'est pas de la tuyauterie. Hein. Je sens que je vais m'amuser, c'est pour le montage. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a des coudes, il y a des coudes, il y a des coudes. J'arrive au bout. Voilà, ça y est. Alors, il y a des grands comme ça. Vous allez commencer à deviner ce que... où j'en viens. Alors, par contre, il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. J'en ai des petits. Et je n'ai pas de notice. Youpi. Alors, c'est un... Comment on va dire? Un métier à broder. Un peu en forme de... Queen Snap. Queen... Oh là, j'arrive pas à parler. Queen Snap. Mais bon, il va falloir que je le monte. Donc, ce que je vais faire, je vais le monter et puis je reviens vers vous. Ce sera plus simple. Parce que sinon, la vidéo va durer 2 heures. À tout de suite. Bon. Ça y est, je l'ai monté. Enfin, j'espère que c'est comme ça. J'ai regardé avec la photo qu'il y avait sur le site puisque je n'ai, il n'y a pas de notice. Donc, comme vous voyez, alors, je tiens mon téléphone à la main. Ce sera plus facile. Je vais enlever ça. Hop.
C'est un support à broderie, mais comment dire? Je ne suis pas très sûre de la, enfin déjà de la qualité, mais également de la solidité. Je vous montre. Hop. voilà, donc tout est emboîté, bien sûr, mais vous voyez, hop, même avec une main, j'arrive à le remettre. Alors, je pense, bon, à part ici, je pense que je vais tout coller. Voilà. Je vais coller tous les petits tuyaux dans les coudes, tout ça, je vais tout coller. Parce que sinon, je sens que le truc, il va valser au milieu par la fenêtre. ça va s'en aller à chaque fois et ça va me prendre un peu la tête. Je ne le voyais pas comme ça, mais bon. Donc sinon, voilà. Alors pour l'instant, comme c'est pas collé, j'ose pas trop, voyez, le toucher, mais bon. Sinon, il est grand. Voilà. Ça mesure, alors attendez, bougez pas, je vous emmène avec moi chercher ma règle. Ça mesure, alors niveau, on va compter à l'intérieur. Entre 37 et 37,5. Et en hauteur. Ouais, 33, un petit 33, 33 et demi. Voilà, donc ça c'est la surface intérieure. La surface d'encombrement va de 50 cm au pied et en largeur 36 environ. Voilà. Alors, j'ai une pièce en plus. Voilà, il me reste un coude. Je les ai bien tous mis partout, donc c'est j'ai une pièce en plus. Bon, c'est pas grave. Je vous referai une vidéo quand je l'aurai collé. Parce que bon, je vous dis, à part cette partie-là que je ne pourrai pas coller puisque c'est la partie qui fait bouger le cadre. Ben, voyez, est encore tombé. Bah c'est vraiment c'est du petit tuyau de PVC hein, coupé voyez coupé à la lime de toute façon c'est bien marqué hein, dessus PVC je vais tout coller et je ferai pour mettre une toile dessus et je regarderai avec vous ce que j'en pense. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas d'attache. Les attaches, on les fera nous-mêmes avec des pinces. Ou alors, moi, j'ai mes bloqueurs de Queen Snap que je peux mettre dessus. Voilà, j'en ai des petits, j'en ai des grands. Voilà, bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Je vous dis, je vais vous refaire une vidéo. Je vais tout coller. Je vais voir pour coller ça demain, attendre que ça sèche bien. Et après on l'essaiera. Bon, le souci qui va y avoir, c'est qu'une fois que c'est collé, ben c'est fini. À moins que, bon là je ne vais pas coller, je ne collerai pas ici, mais je vais coller tout le reste, tout ce qui est l'encadrement. Comme ça, si je pourrais le démonter quand même quand je m'en sers pas. Je vais faire comme ça. Je vais coller tout ce qui est ici. Les coudes, les coins, je pense que ça devrait aller. Voilà, ici aussi, je pense que je vais coller, mais là et là, non, je collerai pas. Voilà, et je collerai également. Alors, ici en bas, bien sûr. Voilà, mais bon, je vous referai une vidéo et comme ça, je pourrai mieux vous dire ce que j'en pense. Alors ça, on l'a au prix de 15,99 $. Voilà.
Allez, je vais vous montrer les broderies. Voilà. Ouais, donc vous avez vu. Je vais voir ce que ça donne. Je vais coller et puis on verra. Bon, je pense qu'en collant, ça devrait le faire. Mais là, dans l'état là, ça ne peut pas tenir. Une fois que vous allez mettre la toile, à chaque fois, ça va tomber. La première n'est pas pour moi. Je vais l'offrir à ma belle-fille. Voilà. Donc, ça va être pour elle. Alors, c'est de la compagnie sans nom. Voilà. Bon, c'est dommage, ils ont fait un tout petit patron. Donc, c'est peut-être un ancien. Alors, on a dedans. Alors, du coup, je ne vais pas vous faire face bureau. Parce que bah, j'ai mis le truc sur mon bureau, il y a mon ordi, il y a tout, donc on va se débrouiller, on va y arriver. La fiche explicative, comme d'habitude, hein, comment on utilise, comment on fait pour sa broderie avec les fils, comment laver sa toile après qu'on a terminé, la repasser, et ici en bas, les différents points que l'on pourrait trouver dans notre broderie. Mais ça, vous connaissez par cœur maintenant, hein, je pense. Alors, je n'ai pas tout le kit, mais j'ai des aiguilles, je vais vous les montrer. Et le patron, alors, tout petit, alors il y a 30 couleurs. Petit patron. Voilà. Donc, ben, on va pas trop insister sur le patron. Hein. Bon, il est bien imprimé quand même, hein, on va dire, mais tout petit, 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 petit. Donc, j'ai 30 couleurs. Donc, bon, là, qu'est-ce que j'ai dit? Je regarde au niveau des symboles. Non, il n'y a pas de, difficulté. Peut-être juste les ronds. Ouais, bon, il y a un rond. Alors, je vais vous montrer. Là, un rond rouge. Là, il est bleu. Et plus haut, ici, voilà, il est marron clair. Mais à voir sur la toile. Hein. Alors, c'est une 11 CT. C'est bien ça, oui.
qui fait 48 sur 48 complète. Je vous montre le petit dessin parce que j'ai la petite image. Voilà, des feuilles de Jinko, Jinko. Voilà, donc là elles sont un peu multicolores, des bleus, des rouges, des beiges, et les couleurs m'ont l'air très très belles. Alors, parlons de couleurs, on va regarder les fils. Alors, on a une grosse échevette comme ceci. Alors, c'est le 38-65. Voilà. Donc, ça va être pour le fond. Et niveau des couleurs, oh, c'est bien. Oui, vous voyez bien quand même. Donc là, un beige rosé, du vert, du bleu, du rouille. Alors, trois différents rouilles ici, vous voyez. Là, un beige, un bleu, un beige rosé. Ici, un autre beige, un petit orangé, des marrons clairs. Hop, pardon. Clair ou plus gris, un rouge, un rouille plus clair, un beige, et là c'est un marron un peu glacé. Et de l'autre côté on trouve deux jolies turquoises, un vert foncé, un blanc, enfin un genre de blanc. Alors le 22 c'est quoi? Non, c'est le 37-56 celui-là. Un autre bleu ici, bah alors il veut pas venir, voilà, très joli. Un autre beige rosé, un vert kaki, encore un bleu, un petit orangé ou rouille, un rose, un autre marron un peu glacé, et là voilà notre blanc de l'échevette, donc un 38-65. Donc c'est pas vraiment un blanc hein, c'est plus un écru, un blanc cassé. Donc on les a sur une un trifil numéroté, voilà, il n'y a rien d'autre dessus. Ici, on va avoir nos deux aiguilles. Et où elle va s'amuser, ma petite belle-fille. Il y a un peu de confetti. Là, ce sera donc... Elle est en train d'en faire une, en finir une. Donc, elle m'avait fait... Elle m'en avait fait deux pour moi. Une qu'elle est en train de se faire pour elle, et celle-là, donc ce sera sa quatrième. Voilà. Bon, on arrive à distinguer le dessin des feuilles. Voilà. Alors, niveau impression, ça me paraît vraiment bien. Je vous montre. Voilà. Bon, désolé, hein, vous voyez les chiffres à l'envers. J'essaierai avec mon logiciel de retourner la vidéo. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir à l'envers, mais bon. Fait ce qu'on peut. Et alors, niveau des symboles, les voilà. Celui-là, c'est un beige rosé. Voilà. Là, c'est un bleu ciel, un rond. Bon. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Euh,
Non. Alors là, justement, ils ont marqué. Alors, j'ai pas le nombre de points. J'ai pas. Ah si, alors 170. 1, 2, 3. Bon, 173. 173 sur 173 ou 174. Voilà. Donc c'est un 48 sur 48 cm. Voilà, là pour une fois, vous voyez, la taille est notée. Mais en réel. Un petit 39 et demi, voilà, 30, un petit 39 et demi, bah sur 39 et demi, hein, je suppose. Ah, un petit peu plus grande en hauteur, ouais, presque sur 40. Donc voilà la première toile. Alors désolé, hein, comment je vous le montre aujourd'hui, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas perturbé, que vous arrivez à bien voir ce que je vous présente. Et je vais déballer la deuxième. J'ai tout déballé et là, dans la première, les fils n'étaient pas emballés, mais sur celle-ci, les fils étaient emballés. Alors, celle-ci, oh, je ne vous ai pas donné le prix de la précédente, je suis désolée. C'était 9,99 $. Voilà. Alors, celle-ci, on a un petit toolkit. Voilà. Je le rajouterai dans le kit pour ma belle-fille, puisque moi j'en ai un. Hein, donc, je le rajouterai à elle, puisqu'elle n'a pas beaucoup de matériel de broderie, de toute façon, puisque. Elle commence, hein, je vous dis, ça sera seulement sa quatrième broderie. Je lui mettrai dans son kit. Voilà. C'est avec Danbo. Alors, le patron. Ah, là, c'est un grand. Donc, c'est les nouveaux. Hop, sur papier glacé. Voilà. Et je vous montre le dessin. Voilà. Je trouvais trop joli les couleurs. Les petits entrelacements là de jaune, tout ça, c'était. J'aimais beaucoup. Alors, niveau patron, ben là, vous voyez, c'est un grand. Donc c'est une broderie qui mesure 40 sur 56 cm et c'est une 11 CT. Donc c'est pas une grande. Voilà, enfin pour moi, c'est pas une grande. Tout est relatif, hein. Quand on dit grand, ça dépend de la personne. Niveau impression, bah écoutez. Hein, ça va, hein? Pas de soucis particuliers, donc il y aura que du point de croix. Ici, on va retrouver donc la petite photo et la légende. Et donc, on a 37 couleurs. Voilà. Donc, vous avez la première colonne, ce sont les chiffres qui sont sur la plaquette de fil. Après, on a les symboles. À côté, on a les références DMC et ici, tout en dernier, ce sont les vraies couleurs que l'on va broder. Voilà. Alors, niveau fil, il y a des belles choses. Alors, on a d'abord, ça c'est le, ah ben, 939. Voilà, alors celui-là, on commence à le connaître hein, aussi. C'est un bleu marine très foncé qui est presque noir. Voilà, c'est le 939. Et quand on parle du noir, bien sûr, on l'a ici. Voilà, donc le 310. Donc je vous les mets tous les deux. Bon, là, avec la lumière, on voit le. Mais quand vous regardez comme ça en réalité, on a plus de mal à voir la différence.
Mais là, avec mes lumières, bon, bah, justement, là, on voit manque de peau. Enfin, non, c'est pas manque de peau. Mais vous ne voyez pas vraiment la réalité. Là, vous voyez le bleu, le noir. Mais moi, quand je les ai comme ça, on dirait que c'est deux noirs. Voilà. Bon, vous m'avez compris? Alors, le fil. Oh là 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 là. Ouais. Détouiller tout ça. Alors, je vous ai dit combien de couleurs, je ne sais plus. 37. Oh, il y en a des beaux. Ah, bah lui, il est tout seul. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Le premier. Alors, il est plus rouille que ce que vous voyez, hein. Et ensuite, alors on va donner un petit coup de peigne avec ses doigts. Et voilà les couleurs. Alors là, c'est le 310. Hein. Un vert clair, un marron. Un jaune, joli jaune. Alors, du rouille, du marron, du vert. Vous voyez les couleurs. Là, il est un peu plus foncé. Les couleurs sont un peu plus foncées que ce que vous voyez, hein. Alors, beaucoup de vert, bien sûr. Beaucoup de différents marrons, de rouille. Du rosé, du jaune, et de l'autre côté, aussi des couleurs un peu pastel. Là, c'est un vert, mais il est un peu plus flou que ce que vous voyez. Du bleu, du vert, du marron, du kaki, du vert, différents verts. Un autre jaune, un orange. Là, c'est le bleu marine, la grosse échevette de bleu marine, 939. Un marron encore. Là, c'est un vert foncé. Encore des différents marrons un peu rouille. Un vert. Et on termine par un marron et un bleu marine. Vous voyez vraiment de belles couleurs. Et de l'autre côté, vraiment de jolies couleurs. Un peu automnal. Même beaucoup. Donc j'espère que ça va lui plaire. Je ne l'ai pas fait choisir. J'ai choisi pour elle. Mais je sais que c'est les. Ah non, non! Il est tard. Il est quelle heure? 22h20. Je vous dis n'importe quoi. Non, celui-là, c'est le mien. Fatiguée. Fatiguée, la Didite. Donc, voilà, j'ai mon échevette qui se détouille. Voilà, alors, ça c'est les couleurs du mien. Donc, je vous remontre la photo du coup. Voilà, de celui-là. Mais elle aussi, ça fait des couleurs automnales. Voilà. Et le mien aussi. Pourtant, le dessin, vous voyez, ça fait comme s'il y avait beaucoup de jaune. Mais. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu. Voilà. On verra ce que ça donnera. Alors, la toile. Alors, bon, c'est une 40 sur 56, mais je ne me rappelais plus qu'elle était aussi petite. Voilà. Donc, enfin, vous allez me dire, certaines d'entre vous vont me dire, non, ce n'est pas petit du tout. La voici. On voit un peu les arabesques ici.
Donc, il va y avoir du bloc hein, quand même. Il y a du bloc. Ça va. Alors, niveau impression. Ben, écoutez, ça me paraît bien, hein? Oui. Oui. Non, c'est pas mal. Alors, niveau maintenant. La légende, voilà les symboles. Bon, je pense que ça va, ça doit aller. Je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Voilà, c'est bleu marine, là c'est vert, vert, rouge. Moi, la seule chose que je n'aime pas dans les symboles, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, celui-là. La flèche très fine, il fait un angle. Voilà. C'est le seul symbole que je n'aime pas sur l'étoile. Parce qu'il est vraiment très très fin. Et des fois, il se noie au milieu de d'autres symboles plus épais, plus colorés. Donc, c'est le seul que j'ai un peu des difficultés. Vous pouvez des fois l'avoir en rouge, en vert, en jaune, toutes les couleurs, hein, ce symbole. Mais voilà, ça va être le seul à peu près qui me plaît pas. Alors, c'est une 4066. Est-ce qu'il y a les nombres de points? Oui, 148 par 217. Bon, si je n'oublie pas, je vous mettrai le nombre de petites croix à broder. Voilà. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Donc voilà les deux, les trois articles. Je vous remets les photos, hein, de toute façon, comme d'habitude, vous les avez peut-être déjà vues, et je vous remettrai encore à la fin les photos. Cette broderie ici, elle est également au prix de 9,99 $. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que toutes ces petites choses vous ont plu. Comme d'habitude, dites-moi si vous aimez ce genre de broderie, si vous les avez déjà faites, si vous avez envie de les faire, si vous aimez le style. Dites-moi aussi si cette grandeur-là vous aimez bien, puisque là c'est à peu près la même grandeur, hein, 40-56 et l'autre 48-48. Donc on est à peu près dans la même taille, à part qu'il y en a une carrée et une rectangulaire. Dites-moi si vous avez acheté ce support de ce métier à broder. Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés au montage, des difficultés à ce que ça tienne? Voilà, dites-moi tout. Puis voilà. Et nous, donc je vous referai une vidéo et après, par la suite, quand je serai pour faire cette vidéo-là. De ma broderie à moi, ben, je vous ferai des vidéos comme d'habitude. Pour la broderie de ma belle-fille, j'essaierai de temps en temps, bon, on est voisines, hein, on habite l'une à côté de l'autre, je ferai de temps en temps des photos ou elle m'enverra des photos et que je vous partagerai pour que vous voyez l'évolution de sa broderie. Voilà. Ben, écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse, je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.